Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente le haul de octobre. J'ai pas mal d'articles qui ne sont pas encore arrivés, notamment les vernis, les 12 ou 14 vernis que j'avais commandés semi-permanents du même vendeur. Donc j'ai attendu et les jours passent et du coup ça me met en retard sur les vidéos à venir. D'autant plus que j'ai reçu l'autre commande, celle de novembre, pratiquement dans son intégralité, bien avant celle d'octobre, donc allez comprendre. Donc du coup ça me met en retard. Je préfère vous montrer maintenant tout ce que j'ai reçu. Donc j'avais commandé, pour celles qui n'ont pas suivi, qui arriveraient sur le feed, je vous conseille d'aller voir la vidéo précommande, parce que je fais des vidéos précommande avec toutes les photos des articles, les prix et tout. Comme ça vous savez de quoi je parle. Donc sur ma chaîne, voilà, vous allez un peu en arrière. Et là, celle-ci, c'est ce haul, c'est le haul de octobre. Donc j'avais commandé, vous rappelez-vous, je comptais faire un petit espace maquillage pour le matin avant d'aller au boulot. Il fallait un éclairage LED. Du coup j'avais trouvé ce miroir, ça vous voyez le plafond, ce miroir LED. Hop, donc du coup je l'ai éteint carrément tout à l'heure. Hop, du coup il fonctionne là au tactile, donc il y a toutes les lumières LED qui s'éclairent. Franchement ça vaut le coup. Je l'ai reçu très rapidement, en une semaine, très bien emballé. Ça fait la blague, c'est un peu plus grand que ma main, ça doit faire une vingtaine de centimètres, c'est largement suffisant. Il est inclinable, hop. Il y a un petit réceptacle là sur lequel je mets les bijoux de la veille si je compte les remettre le lendemain. Il est assez économique puisque là j'ai rechargé une seule fois les piles. Je crois qu'il y en a deux à l'arrière. Et ça fait plus de un mois que je m'en sers. Je le laisse des fois allumé. Franchement, c'est assez économique. Quand le matin, je dois me lever très tôt pour commencer très tôt au travail, je rajoute quand même la lumière de mon iPhone parce que j'ai trop peur de sortir maquillée comme une voiture volée. Mais sinon, ça fait très bien le gag. Hein. Franchement, je ne regrette pas. Puis le vendeur était top. Livraison très rapide, très bien emballée, soignée. Ouais, une semaine, ça a mis. Donc, je vous conseille ce petit miroir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 24 lampes, je crois, à l'intérieur. 24 lampes LED pour le prix de 13 euros, il me semble. 10-13 euros. C'était assez sympa. Ensuite, j'ai commandé, comme Sarah Messa l'a montré, rappelez-vous, sur Snapchat, l'eyeliner d'un côté tampon, mais je crois que tout le monde le connaît, hein, tampon pour faire l'œil de biche, bam bam. Sur les côtés, en un coup de tampon, vous avez le tracé. L'autre côté, vous avez un embout feutre waterproof, ça dure toute la journée pour ma part au boulot. J'en suis très contente, ça va super vite, je recommanderai. C'était de la marque Miss Rose, je crois que ça n'a même pas coûté 1 euro ou 1 euro passé, enfin, vous regardez dans l'autre vidéo, il y a les prix, je ne les ai plus en tête. Même si moi l'eyeliner je le maîtrise depuis très jeune. Le matin, je me fais un petit coup de délire, bam bam, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Après, je retrace un peu mieux à l'eyeliner, pinceau. Mais moi, j'arrive très bien à m'en servir, je sais pas. Dites-moi en barre des commentaires si vous l'avez acheté aussi, si vous galérez. Mais moi, franchement, je m'en sers bien. De temps en temps, je fais un petit raté au niveau du tampon. Mais bon, c'est rattrapable à l'eyeliner et puis ça tient super bien. Voilà, ça évite de faire des pataquès, comme on dit chez moi. J'avais commandé il va falloir que je fasse un peu de bruit. Des embouts en silicone, pardon, afin de positionner votre fil de chargement iPhone, Samsung, ce que vous voulez, téléphone, de manière à ce que l'embout de charge ne glisse pas sans arrêt. Donc, vous le recevez comme ça par paire. Moi j'ai reçu deux paires pour même pas 1 euro avec un autocollant à l'arrière. Donc vous réfléchissez là où vous branchez habituellement votre téléphone, vous le collez et comme ça le fil et l'embout restent bien en place. Ça ne glisse pas, belle astuce, on prend. Voilà.
Alors, j'avais aussi commandé des vernis semi-permanents chez d'autres vendeurs, deux autres boutiques me semble-t-il. J'ai catalysé sur des petits embouts que l'on clipse sur les vernis que j'avais commandé l'autre fois et du coup que je ne vous ai pas montré, tout le monde les connaît. Hein. Donc là, quand vous recevez le vernis semi-permanent, ils sont dans un emballage, dans un packaging opaque. Il n'y a rien écrit dessus, mis à part peut-être la marque. Il n'y a aucune couleur. Du coup, c'est un peu galère quand on veut vite choisir une couleur. Vous le baguez comme ça. Hop, ça se clipse. Et vous avez de suite la couleur. Donc là, je l'ai catalysé. J'ai mis une seule couche. Celui-ci, c'est le violet irisé. Alors là, on le voit super bien. Hop, hop, hop. Je vais l'ouvrir, vous le montrer. Parce que franchement, celui-ci, il est top. Même si je ne mets rarement des couleurs de ce style. J'avoue que celui-ci, regardez, tous ces effets pailletés. Il y a un mélange de bleu électrique, de violet. Il est top. Je pense que je vais l'associer avec une couleur nude prune. J'en mettrai pas partout, j'en mettrai que sur un ongle, mais je pense que ça va bien flasher. Ensuite, chez un autre vendeur, j'en ai pris un autre d'une autre marque, le CNDSE couleur champagne pailleté. Hop, voilà, une seule couche. Déjà, il y a beaucoup de. Franchement, deux couches, c'est top. Hein. Avec deux couches, ça va suffire. J'ai commandé un rose baby pailleté aussi. Hop, pareil, hein, une seule couche de la marque CNDSE. Donc, je vous la conseille parce que c'est une bonne marque. Une catalysation parfaite, rien à dire. Et de chez la marque Sugar, comme le violet. Alors là, ça va vous rendre rose, mais en fait, il est un peu corail. Voilà, il est un peu corail. Donc là aussi, une seule couche, opacité parfaite, rien à dire. Je recommande. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous dire, pour celles qui pianotent sur leur smartphone, qui ont l'application AliExpress, il y a un onglet supplémentaire que sur les applications téléphone. Sur l'application AliExpress, il y a un onglet vert qui s'intitule Swap. C'est quoi le swap? Le swap, c'est une quinzaine d'articles mis tous les jours, comment on appelle ça, 15 articles qui vous sont proposés tous les jours. Vous avez droit à choisir deux articles, vous vous positionnez dessus, vous marquez qu'il vous intéresse. Le lendemain ou d'ici 3 jours à venir, vous avez un tirage au sort. Le tirage au sort, quand il a lieu, vous n'êtes pas au courant, vous, parce que moi je le fais tous les jours, donc automatiquement, si je devais être au courant à chaque fois. Par contre, la fois où j'ai été au courant, c'est parce que j'ai gagné un swap. J'ai reçu un message sur l'iPhone, congratulations, you are the winner. Donc trop contente, j'ai regardé ce que j'avais gagné et j'ai gagné cette petite paire, hop, de bottines magnifiques, classiques, parfaites. Imitation cuir bien sûr. Et donc du moment que vous gagnez, vous payez l'article 0,01 centime. Ben comme vous, hein, stupéfaite. Donc j'ai attendu, le vendeur m'a aussitôt envoyé un message en disant bravo, félicitations, quelle pointure. Moi j'ai envoyé 7 taille américaine, ce qui veut dire un 38. Je prévois un peu large parce qu'en Chine ils taillent petit, ils ont des petits pieds. Il m'écrit à nouveau en me disant je pense que c'est 7 US, bien sûr c'est 7 US, on s'échange 2-3 messages. Les chaussures sont arrivées une semaine après, emballées dans des pochons de soie, minutieusement, l'emballage était minutieux, il y avait papier bulle. Donc du coup, je me suis engagée auprès de lui à vous vanter les mérites de son honnêteté déjà, de sa boutique et de la façon dont il traite ses clients. Parce que vous savez que sur AliExpress, on trouve de tout et de rien. Et là, pour une fois, franchement, pour avoir gagné, en payant un centime,
Alors du coup, moi j'ai rajouté 70 centimes puisque j'ai préféré payer par PayPal, puisque actuellement sur AliExpress on peut payer par PayPal. Je préférais, puisque la carte bleue 1 centime, je me suis dit la banque vont dire qu'est-ce que c'est que cet achat d'un centime sur le net. Donc j'ai préféré faire par PayPal. Mais vous savez très bien que en commandant, en payant des fois le prix fort, on n'obtient pas l'article dans sa boîte aux lettres avant 2 mois. Et là, pratiquement gratuit, en une semaine, avec des efforts du vendeur, des messages, jusqu'à temps que je reçoive la marchandise. Moi, je dis bravo et du coup, je vais vous conseiller. Donc, dans la barre d'infos, il y aura la boutique de ce vendeur et je pense que mes chaussures, dorénavant, je vais les commander chez lui et il a été parfait. Voilà, je ne reçois rien en contrepartie, hein, je vous rassure. Ce n'est pas une vente placée ou un article placé, ce que vous voulez. C'est gratuit et c'est merci beaucoup à lui parce qu'il a été superbe. Donc, n'oubliez pas à valider vos swaps tous les jours. 2 articles chaque jour et puis peut-être comme moi vous aurez un peu de chance. Du coup moi je fais ça tous les jours et puis peut-être que j'aurai encore un peu de chance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai reçu déjà pas mal d'articles de la commande de novembre, notamment ma GoPro qui est fabuleuse, ma caméra embarquée avec tous ses accessoires. Je vais m'en servir dans très peu de temps parce que j'ai des spectacles, des gros spectacles de fin d'année qui arrivent. Je dois aller voir aussi avec mon conjoint le village de Noël qu'il y a en ce moment sur Palavas-les-Flots. Une vingtaine de chalets, apparemment il y a des personnages Walt Disney, il y a des manèges, enfin, il y a un peu de tout. Donc je vais profiter de tester cette GoPro puisque je ne l'ai pas encore fait, que j'avais payé 58€ avec tous les accessoires. Je vais faire quoi? Je vais vous filmer les spectacles, je vais vlogger. Je m'en vais à Marseille dans pas longtemps, déguisé en mignon, s'il vous plaît. J'ai un petit contrat rigolo. J'ai commandé une machine à faire des masques soi-même avec de la... Comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu le mot, j'ai avalé le mot, du collagène et tout ce qui se trouve dans le frigo. Je pense que je vais être la première sur YouTube à montrer cette machine au niveau de la France. J'en ai pas vu d'autres, donc je pense que ça va vous plaire. C'est des masques à faire soi-même, un do it yourself avec des masques à poser. Enfin, la machine, elle est exceptionnelle et pour un prix de dingue. J'ai pas mal d'achats en cours. Là, je viens d'acheter aussi un casque virtuel. J'en ai un autre à commander pour Noël. Là, celui-ci sera sur AliExpress. Le premier, je l'ai acheté sur Auchan, pas très cher. Du coup, moi j'ai un iPhone 5 et il n'est pas paramétré pour le virtuel. Donc je vais devoir m'offrir pour Noël un iPhone 8S parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et puisqu'ils sont compatibles au virtuel. Et je voulais savoir si ça vous intéressait aussi d'avoir peut-être des commentaires là-dessus. Et puis quand ça sera fini à la maison, donc dans très peu de temps parce qu'il nous reste le meuble du bar à finir, peut-être que je ferai une vidéo traditionnelle et la même je la dupliquerai pour celles qui ont du virtuel à la maison, un casque, pour qu'elles puissent visionner le room tour en 360 degrés comme si elles y étaient. Donc ça peut être sympathique. Voilà, donc désolé pour le retard, mais bon là je me suis j'étais un peu embêtée à cause de cette livraison tardive d'AliExpress. Je ne sais pas comment il fonctionne dans les airs, il peut y avoir une douane ou pas, je ne sais pas. Je voulais vous montrer aussi ce petit article, hop, acheté dans mon magasin là où je travaille, donc à Alinéa, sur toutes les boutiques Alinéa et même en ligne vous pouvez le trouver. J'ai adoré cet objet, il est assez grand, ça me fait penser au like de YouTube, au like de Facebook. Donc pour 9,99€ il me semble, voilà, donc j'ai acheté ceci, un objet déco. Et j'en ai un autre là-haut, c'est le même avec les deux doigts comme ça, pareil tout chromé. Et j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Voilà, j'adore ma boutique, j'adore mon magasin, j'adore mon job. Hein. Évidemment, c'est comme ça que ça doit se faire. Et puis voilà, je pense que je vais continuer à filmer dans les jours qui arrivent parce que je vous dis, j'ai pratiquement reçu tout ce qu'il me fallait
de la commande de novembre. Je vous souhaite des bons préparatifs pour Noël. Je sais que c'est assez difficile pour certains. Restez dans la magie de Noël, essayez de faire avec et tout pour. Pour ma part, c'est aussi des fois compliqué d'arriver dans cette période. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais j'ai envie de vous envoyer une multitude de paillettes et c'est ce que je fais de suite. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo. Et merci aussi aux nouvelles abonnées parce que je sais qu'il y en a malgré tout. Elles sont patientes, vous êtes toutes patientes. Mais j'essaye de faire des petites vidéos sympas. Et puis dès que je peux caler un peu de temps aussi parce que c'est du boulot. Parce que j'essaye aussi de vous faire un petit montage sympathique. Voilà, ben je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très très vite. Je vais enchaîner les vidéos là. À bientôt, bye.